C'est l'affaire Olivier Duhamel qui a fait entrer Bruno Ketel dans l'actualité insulaire. Subitement, les chaînes d'information ont relayé le visage de ce député qui racontait une sordide histoire qui lui était arrivée en Corse. Et on découvrait que la Corse, c'était chez lui. L'invitation lui était donc lancée, non pour venir chez lui, mais pour se confier, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Bruno. D'accord. Et bienvenue dans votre vie. On commence par le début, ouais. On commence par laquelle? On va commencer par là. Hein? On est où, là? Là, on est devant l'église de Lorient. En Castanitch, là. En Castanitch. Et vous avez les... Le plus petit, c'est le frère de ma mère. Et après, vous avez Lily, Pompée, Dominique et Dom Pierre. C'est la famille Thor. Oui. Hein, bien sûr. Tout à fait. Votre grand-mère, c'est une Thor. Ma grand-mère est une Thor. Les quatre enfants, là, étaient les enfants de son frère. Et ma grand-mère s'en est occupée assez vite. Parce que la maman de ses quatre enfants est décédée quand Dom Pierre avait un an. Et ma grand-mère a donc, avec mon grand-père, on... quasiment élevé ses quatre neveux et nièces. Et ça va pas être facile finalement pour tout le monde, parce que... Venez, on va passer, venez avec moi par là. Et la voilà votre mère, la voici. Oui. Dans le village. Elle est dans le village. Elle est sur la mule de son père. Et elle est juste face à l'église en fait. Alors elle, justement... Elle va grandir avec ça, quand même, avec sa mère, à elle, qui va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection aux enfants qu'elle a recueillis. Ouais. Elle a toujours exprimé une forme d'ambivalence là-dessus. Et sans doute aussi que le lieu, le village, la concentration, fait qu'elle en a sans doute... capter l'énergie pour partir loin, puisque, comme vous le savez... Non, elle ne sait pas encore, parce qu'avant de partir loin du village, votre maman, elle va d'abord aller là. Oui, ah oui, oui. Oui, tout à fait. Alors, elle va faire sa scolarité à Bastia. Ouais. Et elle a beaucoup aimé cette période à la fois d'insouciance, comme on la connaît tous, et puis de liberté, la ville, Bastia, puisque élevée dans ce village où... Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de communication. C'était un peu la découverte, je pense, du monde tel qu'il existait à l'époque. Et puis c'est aussi... on est 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde s'épanouit. On sent qu'il y a un élan dans cette photo. Ouais. Votre mère, elle veut faire institutrice. Elle est donc fléchée, entre guillemets, par l'administration pour être institutrice. Et un beau jour, elle est en montagne, en train de ramasser les châtaignes. Et quelqu'un qui a beaucoup pour compter pour elle, Charlouch, le facteur, l'appelle et lui montre le télégramme en montagne sous les châtaigniers et lui dit que sous 72 heures, elle doit rejoindre un petit village de Normandie qui s'appelle Autou, où elle y fera l'institutrice. Elle part avec ses deux valises, hein, et son cousin qui est là, qui est chargé de l'installer, bien sûr. Alors elle, oui. Hein? Avec ses deux valises en carton, et là-bas, elle découvre un autre monde, en fait. Quelques jours après sa prise de fonction, elle se rend compte qu'un élève, à peine installé, tombe et s'endort. Et elle découvre alors qu'on donne du calva au petit déjeuner aux élèves de Normandie. Voilà. Et pour elle, c'est un autre monde, pour le coup. C'est un autre monde, mais elle se découvre une nature exceptionnelle. Cette femme... Elle va vite avoir un surnom dans le village. Comment on va l'appeler? L'institutrice, enfin... C'est pas Mère Teresa? Oui, non, Mère Teresa, c'est toute sa vie. Ah, Mère Teresa, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie, Mère Teresa. Mère Teresa, c'est toute sa vie. Elle, comme vous le savez, elle est vivante, mais plus en capacité d'échanger. Et c'est quelqu'un qui, dans l'exercice de ses fonctions, avec ses élèves, avec les mamans d'élèves, avec les gens dans les associations dont elle a pu s'occuper, elle aurait donné sa chemise. Et déjà, vous avez raison de le dire, Luc,
dès sa prise de fonction, elle a envie de tirer cet enfant du milieu dans lequel il se trouve. Parce que pour elle, c'est inconcevable. Et elle a, tout au long de sa vie, eu pour les enfants dont elle a eu à s'occuper une... Enfin, c'était un dévouement incommensurable. Et est-ce qu'il y avait autant de dévouement avec ses enfants ? C'est différent, on est deux. Elle a... Peut-être que parfois on a pu se sentir... non pas délaissé, parce qu'on n'est pas dans ce cadre-là. Mais moi, j'ai vu parfois être excédé qu'elle me demande des livres pour des élèves qui n'avaient pas de livres chez eux. Ouais. Ou qu'elle me demande si je pouvais donner mes albums de foot de l'époque pour un petit garçon qui n'avait rien chez lui. Et elle nous a appris par là à partager. Elle fait une rencontre là-bas. Elle fait une rencontre, ouais. Et un jour, elle est dans un bar, je crois, puis il y a un beau biker qui arrive, tout blond, tout costaud. Voilà. Il va écrire une lettre en disant, une très très belle lettre, en disant « Est-ce que je peux épouser votre fille ?» C'est ça, c'est voilà, il écrit une lettre pour demander la main et il reçoit une réponse qu'il n'a jamais digérée. Puisque la réponse est de lui signifier qu'en Corse, on ne reçoit que les hommes dont la situation est régularisée. Donc, tant qu'il n'est pas marié, il ne pourra pas venir en Corse. Ouais, donc la solution, elle est là. Le grand jour. Alors là, c'est à la mairie de Bourtheroulde. Donc à l'été 1960, quand maman est rentrée de Corse, il lui a montré la lettre, il lui a dit « Maintenant, soit on se marie, soit on arrête. » Et ils se sont mariés 3 mois plus tard. Et là, donc, ils peuvent enfin venir au village. Là, on est à l'été 1961. C'est la première venue au village. C'est l'inauguration de la route. On est dans le dernier virage épingle à cheveux pour monter au village. On voit, c'est un colosse, votre papa. Racontez-nous un petit peu quelle personne c'était. C'est dur, là. Pardon. Il était à la fois très rustre, très dur, et d'une bonté incommensurable. Et vous allez naître. Je vais naître... Là, oui. Vous allez naître ici. Voilà. Je vais naître le 21 décembre 1966, 5 ans après ma sœur. Prématuré, 4,5 kg, c'est voilà. Incroyable. On le dit. Prématuré d'un mois. J'ai pas de photo de vous après, donc vous allez en tout cas grandir dans les pas de votre père. Vous passez votre temps dans l'atelier avec votre papa. Je suis toujours avec lui. Toujours. À tel point que votre destin, vous, c'est d'être comme lui, c'est d'être ouvrier finalement. C'est d'être électricien. Et on va voir ce que ça va donner finalement, mais on va pas le voir là. On va le voir dans une autre pièce. Allez, venez avec moi. Place Bruno. Merci. Et là, c'est vous. Oui. C'est vous, jeune. La photo de gauche, je suis au lycée interne. Je suis parti après la 3e en internat. Et j'ai entamé une formation de tourneur-fraiseur. Exactement, il n'y a pas d'autre horizon en fait. Hein. Et puis un jour, vous êtes en stage, je crois, avec votre classe. Vous allez du côté du Havre, c'est ça ? Il y a une classe scolaire. Et puis il y a un des encadrants qui vous voit en train de lire Le Monde. Il vous voit lire Le Monde, il s'approche de vous, et puis ça fait bizarre, mon petit, qu'est-ce qui se passe là ? Oui, c'est au-dessus du Havre, à Coquerilloville. Et là, je me livre en fait. Je me livre sur mes aspirations. Parce que ce n'est pas un professeur que j'ai à l'année. C'est un formateur en fonderie. On est en stage de fonderie. Ça fait une semaine que je fais de la fonderie. Et je me livre pleinement sur mon souhait de faire du droit. Et
d'entamer une carrière de magistrat. Quand j'ai 16-17 ans, je veux faire du droit pour être juge, voilà, pour être juge d'instruction. Et puis à la fin de la conversation, il me dit « Écoute, tu ne peux pas rester comme ça. » Et il fait en sorte que l'administration du lycée convoque mes parents. Et il y a une discussion et il est décidé que je changerai de filière. Et on vous réoriente. Et on me réoriente. Et là, il va y avoir, comme on dit, peut-être un peu une chance de vie, parce que vous allez croiser cet homme-là. Ah, alors lui, c'est le seul meilleur ami que j'ai eu. C'est mon voisin de chambrée, à l'internat. C'est quelqu'un qui s'appelait Ndoumbé Doualabel. Il s'installe à côté de moi dans la chambre et on ne s'est pas quitté pendant 3 ans. Et moi qui n'étais pas un excellent élève au collège, il va me ramener toujours à la table de travail le soir. Et l'année où je passe de la filière technique à la filière générale, il va tous les soirs me faire travailler. Et il va m'accompagner. Et c'est quelqu'un qui est décédé, trop jeune, parce qu'il avait 24 ans, même pas. Il est décédé du sida. Hommage lui est rendu aujourd'hui. Grâce à lui, donc, vous allez reprendre votre chemin dans la scolarité. Vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Vous allez arriver jusqu'au bac. Mmh. Vous allez le rater. Mmh. Vous allez le repasser, vous allez le réussir. Vous allez commencer une première année de droit en lisant tout ce qui se passe autour. Hein. Vous relisez les classiques, il faut vraiment refaire tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez jeune. Pareil, premier échec en droit, et toujours remettre le travail à l'ouvrage, et vous allez finir justement par avoir vos années de droit, aller jusqu'en DESS. Ça vous vient d'où cette force de caractère ? Il ne faut pas lâcher. Et vous ne lâchez pas. Et en parallèle de cette carrière universitaire que vous commencez à mener, il y a aussi ah, c'est ça. Émile. Et la politique. La politique. Ouais. Émile Tsoukaril, vous le rencontrez en 1993. Oui, quand je suis embauché à l'Assemblée nationale, je lui avais écrit et il a demandé à ses collaborateurs que je sois reçu. Et grâce à lui, j'ai été embauché comme secrétaire législatif d'un groupe parlementaire. Les radicaux. Les radicaux. Donc vous commencez à travailler à l'Assemblée nationale, vous allez même travailler dans des cabinets ministériels. Ouais. Mais travailler pour les hommes politiques, ce n'est pas faire de la politique. Et ça vous titille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo. Oula. Alors qu'on a créé... Ça, c'est pas moi. Ah, oui. Qu'on a créé, parce que vous pensez bien que je n'ai pas les photos de votre campagne pour les cantonales 98. Effectivement. Qu'est-ce qui vous prend de vous lancer, là, pour le coup, pour ces cantonales en 98 ? J'ai été élu conseiller municipal en 1995. Le canton, à l'époque, regroupe 18 communes et beaucoup d'élus installés, conventionnels. Et il y a quand même pas mal d'entre-soi. Et le conseiller général sortant ne se représente pas. Le maire de la commune ne se présente pas. Donc je dis j'y vais. Et je me lance avec mon père en campagne. Et mon père qui était électricien, qui connaissait tout le monde, qui était né là-bas, me prenait des rendez-vous, m'emmenait dans des fermes où il y avait 3-4 personnes et puis on discutait. Et personnellement, c'est quelque chose, quoi. Je pense que c'était une épreuve, parce que effectivement, vous échouez de quelques voix. Alors, hein, là, 98, j'échoue de 30 voix. De 30 voix. Vous n'êtes pas élu pour 30 voix. Mm. Et à ce moment-là, vous l'avez dit, vous êtes aussi au conseil municipal de la ville. Mm. Et donc, là, il y a le maire qui est en place et qui dit, ben là, vous avez perdu, sortez du conseil municipal. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je me retourne. Mm. Il me dit ça, il me dit, écoute, pour ton bien. Il me sort une phrase extraordinaire que je n'oublierai jamais. Il me dit, tu es trop intelligent pour être élu ici. Et j'y vois beaucoup de mépris à la fois pour moi-même et pour les habitants. Et je me retourne et je lui dis, je vous prendrai tout.
Et j'ai fait une liste contre lui en 2001. Et je suis devenu maire en 2002. Vous êtes élu maire. C'est une... Quelle émotion ça provoque? C'est un truc... Avant de l'être, on ne peut pas comprendre. Et on devient quelque part le chef du village gaulois, mais aussi chef d'entreprise, patron. Et il faut conjuguer tout ça avec une vie personnelle et une vie professionnelle. Et bien justement, j'ai pris volontairement cette photo-là. Voilà, c'est le conseil municipal, hein, quand vous êtes élu, vous êtes entouré. Ouais. Très entouré et finalement très seul, Bruno. Parce qu'à ce moment-là, quand vous êtes élu, vous êtes marié à l'époque. Oui. Et il y a votre épouse qui vous dit... Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre épouse? Alors, elle m'avait dit... Alors, c'est la mère de mes enfants, avec laquelle je m'entends très bien aujourd'hui, qui me dit, écoute, si tu deviens mère, je demanderai le divorce. On divorcera. Et je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Son propre père était maire. Elle a mal vécu cette période, en fait. Et nos chemins se sont séparés. Et elle a fait ce qu'elle a dit. Et vous vous retrouvez donc finalement très seul. C'est une épreuve, vraiment, là, pour le coup. Vous vous retrouvez... J'ai été plusieurs mois, oui. Alors, j'avais un travail très, très important à Paris. Je devenais maire. La mère de mes enfants ne m'aimait plus. Et il me fallait conjuguer tout cela, si je puis... Et puis, il fallait conjuguer autre chose aussi. C'est qu'à l'époque, vous êtes à gauche, comme votre papa. Oui. Et puis, il va se passer aussi un épisode où vos amis de la gauche vont vous faire un sale coup. Oui. C'est pas le seul. Il y a eu... En fait, il y a la gauche, il y a les militants, il y a l'humanisme qu'on peut mettre dans l'engagement. Puis, il y a les appareils. Et ce sont souvent les gens d'appareils politiques qui vous font les mauvais coups. Et qui vous déçoivent, et du coup ? Oui, alors, quand Emmanuel Macron est apparu, j'ai sincèrement tout de suite été attiré. Dès la création. Dès la création. Hein, vous vous engagez sur Internet. Hein, oui. Pas personnellement, mais pas. Non, sur Internet. Vous engagez. Comme tout un chacun. Et vous êtes élu député ? Je suis élu député le 18 juin 2017, oui. Et vous vous retrouvez là ? Retour à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci dans un autre costume, sous les ors de la République. Et c'est aussi... Allez-y, pardon. Allez-y, vous voulez dire quelque chose, peut-être ? C'est la voûte, là. Ouais. Parce que peu de gens le savent. En fait, il y a toujours la même luminosité dans l'Assemblée nationale, quelle que soit l'heure. C'est pour pas qu'on voit le temps passer. Et puis, il y a cette lettre, là. Cette lettre, oui. C'est incroyable. C'est le genre de lettre qu'on reçoit quand on est député. Voilà. Ignoble salopard, grosse merde. Etc. C'est le lot... On en reçoit au minimum tous les 15 jours. Pas aussi violente. Mais c'est le lot de la déliquescence de l'esprit républicain dans notre pays, je crois. Ça pourrait être là la fin de l'histoire, en fait. Vous êtes député, Bruno, ça se passe plus ou moins bien, mais l'histoire, elle ne se termine pas là. Et on va voir comment elle se poursuit dans une autre pièce. D'accord. Allez, venez avec moi. Donc Bruno, comme on le disait, vous menez votre vie de député avec ses joies et ses peines. Et puis un jour vous tombez, comme toute la France, là-dessus. Sur l'affaire Duhamel, bien sûr. Je ne peux pas m'indigner à chaque minute, nous dit cet ancien ministre. On rappelle qu'Olivier Duhamel a violé son beau-fils. Et là... Permettez-moi de mettre cette image-là. On est au village, là. On est chez vous, on est à Lauriane, il y a une procession.
Vous y êtes dans la procession, là ? Non. Vous n'y êtes pas ? Non, c'est maman qui est jeune. Mais vous en avez fait des processions de ce genre, oui, quand vous aviez 10-11 ans ? Même encore maintenant. Et dans ce genre de procession, il y avait tout le village ? Tout le village. Et dans la procession, il y avait aussi un homme ? Oui, je ne sais pas s'il est sur la photo, mais effectivement... Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais enfant, il y a un homme du village, dans des conditions que j'ai déjà exprimées, qui s'est autorisé à m'utiliser comme un objet. Et ça se qualifie de viol en droit français, ce qui s'est passé. J'ai voulu, puisqu'une fois que j'avais dit les choses par un tweet, j'ai voulu assumer. Et puis j'ai été submergé de messages. Vous l'avez assumé comme ceci, hein. On va écouter. Voilà ce qui m'est arrivé, mais regardez aujourd'hui, et puis voilà, c'est la preuve que qu'il faut avancer, qu'il faut vivre, qu'il faut se battre. Parfois, on a des étapes dans la vie où c'est plus ou moins facile, et puis, mais il faut surtout jamais oublier. Et ce grand mouvement de libération de parole, je mesure pleinement depuis une semaine à la lecture des messages que je reçois, que ça, j'ai apporté ma pierre à ce travail collectif. Et il faut que la société, maintenant, fasse aussi sa part du travail. Un moment fort de télévision, là, hein, Bruno. Vous venez déballer l'histoire en direct à la télévision. Oui. J'ai voulu parler parce que tant de femmes et d'hommes ne l'ont pas fait, ne peuvent pas le faire encore. Et j'ai voulu passer ce message selon lequel on n'oublie jamais, c'est une marque au fer rouge, mais il faut avancer. Il faut à la fois pour soi-même et pour les siens avancer, et puis sur la cause, parce que c'est une cause. J'ai voulu pousser ce cri, moi aussi, en fait, pour aider celles et ceux qui n'avaient pas la possibilité de parler. Et vous allez en aider, parce que vous allez recevoir des dizaines et des dizaines de messages, des centaines de messages des anciens ministres, des grands acteurs qui vont vous dire « Merci d'avoir parlé pour nous, en fait. Ouais. » Des pluies de messages. Ouais. Vous allez même être submergé à un moment. Ouais. À un moment, hein. Des pluies de messages et plusieurs d'entre eux, des hommes qui n'avaient jamais parlé à leur propre femme. Et qui m'ont écrit, voilà, j'ai pu parler à ma femme parce que je vous ai vu. Et ça, c'est terrible parce qu'après, là, il y a le poids. Ouais. Et puis, donc, il faut faire attention. Et puis, finalement, on comprend cette histoire, finalement, qu'on vient de retracer, là. Ces échecs scolaires, ces orientations, ces réorientations... On comprend un petit peu mieux, finalement. Et quand on juge les gens, il faut vraiment les connaître complètement. On ne sait jamais, finalement, qui on a en face de soi. Et pour aller encore plus loin dans l'histoire, parce que vous avez parlé des gens qui n'étaient pas au courant. Venez avec moi, on va venir là. Ceux qui étaient ici, là, venez, Bruno. Ceux qui étaient au courant de cette histoire, eux étaient au courant, vos parents. Dès le début, ils sont au courant. Oui. Dès le début, vous allez les voir juste après. Dès le soir même. Dès le soir même. Et comment ils réagissent ? Mon père a voulu la chercher dans le village, il ne l'a pas trouvée. Et puis le lendemain, maman est allée le voir et on en est resté là. C'était il y a plus de 45 ans, 40-45 ans. Si on a mis un couvercle. Tu m'en restes là. Voilà. J'ai porté ça. Seul. Ben oui. Longtemps seul. Au village, c'est maman la patronne. Je ne reproche rien, parce que de toute façon, il ne faut jamais revenir sur ce qui ne s'est pas passé. Mais le problème avec ce genre d'histoire, c'est que ça revient tout le temps. Et je l'ai matérialisé
Comme ceci. Votre papa, en train de lire le corps ce matin, sa tombe, où il est enterré, le jour de la mort... De l'intéressé, qu'on appelle Philippe. Philippe Haute. Votre sœur y est allée. Elle est allée à l'enterrement, et... Et quand vous l'avez appris, ça, ouais. Vous l'avez appelé, vous avez dit, mais comment tu as pu aller à l'enterrement de ce mec-là? Tu sais ce qu'il m'a fait, quand même. Voilà, quelle a été la réponse de votre sœur? Elle m'a répondu qu'elle avait oublié. C'est dingue, ça. Mais... Oui, enfin... C'est dingue, ça. C'est aussi... je me suis jamais plaint. Je n'ai jamais... dit, je voudrais voir un médecin, parce que ça va pas. Quand j'avais 12-15 ans, je buvais en cachette pour tenir. Et j'ai porté ça tout seul. Voilà. Et c'est là qu'on admire d'autant plus votre courage à chaque fois, jamais renoncer. Vraiment, Bruno. Et on va aller là, c'est l'écran de la Corse. Parce que l'histoire n'est pas finie. Je devine. Eh oui, avec cette photo-là. Mmh. Et là, il va falloir vous expliquer. C'est votre maison au village. Oui. Ah. C'est la maison où ça s'est passé. C'est la maison où ça s'est passé, d'accord. Mmh. Vous avez racheté la maison où ça s'est passé. Faut être fou. Je sais pas, pourquoi? Non, monsieur. La première fois que j'étais jamais rentré dedans. Et j'étais avec Gabriela, mon épouse, et le vendeur et l'agence immobilière. Et j'ai tremblé. J'ai eu peur de ne pas tenir. Parce que et on a acheté la maison et le premier été, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé dans la pièce où les faits se sont déroulés. Les gens ne comprenaient pas, je n'ai rien exprimé. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Ça va aujourd'hui? Vous avez... Ça va, j'ai expliqué tout ça aux enfants il y a deux ans. Vous? La famille? Oui. Ils savent tout, eux? Oui. On se dit tout dans la famille? Oui. On partage tout. Et j'ai mis cette photo pour finir aussi. Parce que la Corse, il y a des bons côtés aussi. J'ai mis cette photo parce que vous avez failli aussi, de temps en temps, tout autour, au cours de votre carrière, tout laisser tomber, finalement, oui. Pour revenir vivre au village. Oui. Ça s'est joué un fil, hein. Oui. Ouais. J'ai pas de regrets. Et... Lorsqu'il a fallu prendre des décisions importantes, je suis venu au village. Lorsque je me trouvais à la croisée des chemins, et puis... C'est notre berceau. C'est là que tout est parti. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, mon père qui était normand a voulu y être enterré. Et c'est là où on se recharge, et où on se nourrit aussi. Et où la vie est belle. Bien sûr que la vie est belle. Hein? Allez, venez, on finit avec une ultime photo. C'est moi qui la prends cette fois. Souriez. Merci infiniment de vous être confié de la sorte avec nous. Et j'espère qu'on se reverra bientôt, peut-être sur les sentiers du Zambédron. Hein? Le matin à la fraîche. Le matin à la fraîche. Allez, au revoir. Au revoir.